Bonjour. Aïe. Ah merde, c'est une lapine. D'accord. Donc c'est un ennemi. Et elle, c'est pas une lapine. Je peux lui parler. Tous ces gens en costume de bain qui cherchent des lapins, c'est un peu troublant. Est-ce vraiment une bonne idée? Ce n'est pas un jeu. Tout ça, alors pourquoi ne pas abandonner votre recherche des lapins? Ah tiens, un téléporteur. D'accord. Et pourquoi on tape des chats, du coup? Oubliez ces lapins, les chatons sont plus mignons. Le village Rabi Rabi, oui, c'est par là. Suivez le sentier vers l'ouest. Ok. Le village Rabi Rabi, oui, c'est par là. Suivez le sentier vers l'ouest. Pourquoi il y a eu un god par terre? Ah, j'ai cru que ça allait me remonter les vies. Ah, je lui ai fait 69, ça c'est drôle ça. Alors ça c'est drôle. Ça c'est. Pourquoi j'ai plus le. Mon retour, il est là. Je vous demande deux petites secondes. Ouais. Putain, y'en a du scénario au début là, vache. Toujours aucun signe d'elle. Je peine à croire qu'aux rumeurs qui circulent. Sois patiente. Ils ont dit que les lapins s'enfuient vers l'est à partir de la forêt. Elle n'aura pas le choix de passer par ici. Ah bon? Attends, tu verras. Tiens, justement, derrière, derrière toi, c'est elle! Donc, elles sont ici. Aussi. Elles ne sont pas trop nombreuses. Achève-les, Irina. Les achever? T'aurais pas un autre mot que celui-là? Ça donne l'impression qu'on utilise la violence pour régler nos problèmes. T'es en train de tabasser tout le monde au marteau depuis tout à l'heure, alors c'est niveau violence, tu vas pas la ramener. C'est le moment pour Ribon de leur montrer ce qu'elles peuvent faire. De la magie avancée, ça a l'air dangereux. Utilise toutes les alors, toutes les attaques contribuent au compteur de boost à 50%. Quand boost apparaît au-dessus de Ribon, appuyez sur B pour lancer l'attaque boost. Quand le boost de Ribon est activé, la vitesse est augmentée de 25% les moments où les attaques. Et là, je suis boosté? Non. Oh merde. Ah oui, je lui ai fait 171. C'est le strike final en fait. De combien j'ai fait de dégâts? Oh, un marteau dans le cul comme ça qui tournoie tel un parapluie finlandais. C'est magnifique. C'est facile, on fait une bonne équipe, dis donc. On peut certainement en battre plus. Ribon, calme-toi, je crois que tu es un peu trop loin. J'arrive plus à suivre, je suis déjà épuisé. Mais non, on vient à peine de démarrer. Bonjour. Hé, toi, la fée là-bas. Pour l'amour du ciel, cesse de jouer avec la magie, tu vas finir par blesser quelqu'un avec. Oh, Ashori, ça fait longtemps. C'est toi, Ribon, désolé. On dirait que tu es encore plus petite qu'avant. Je pouvais à peine te reconnaître. Ah, Ribon, fais mieux. Putain, j'ai du mal à dire cette police de caractère. Fais du mieux qu'elle peut, ne sois pas si méchante. On dirait que tu n'as toujours pas trouvé de maîtresse. Pourquoi pas moi, j'en serais ravi. Ribon ne peut pas avoir une petite sournoise comme maîtresse. Elle ne parle pas de ça ici. Certaines personnes nous écoutent. Maîtresse? Tu es à la recherche d'une maîtresse? Non, pas du tout. Ashuri aime bien plaisanter, pas vrai? Hein? Qui est ton ami Ribon? On dirait qu'elle n'est pas du coin. Vous parlez de moi? Bonjour, mademoiselle Ashuri. Je suis Irina. En fait, je suis un lapin. Ok, pas de soucis. Lapin, Irina, ce lapin. Alors c'est à ça que tu ressembles maintenant? Avec autant de magie émanant de toi, ça n'est pas étonnant en fait. Bon, tout le monde me connaît sauf moi. Ça n'augure rien de bon. Plus rien me surprend avec elle. Et pourquoi ça? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Ashuri adore étudier tout ce qui n'est pas humain. Une fois, elle s'est fait prendre à espionner Ribon dans sa rombin. Mais elle prétendait faire de la recherche. Ça me rappelle quand j'étais au lycée. Tiens. Voilà comment nous nous sommes rencontrés. Mais à part ce petit incident, elle est très sympathique. Et une personne sûre qu'on peut compter. Un peu comme une grande sœur. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont à ta recherche. Donc évite de te mettre inutilement en danger. J'ai comme un mauvais pressentiment. Un parapluie finlandais. Non, je me suis trompé, c'est un tabouret mexicain. Enfin, un parapluie finlandais, tabouret mexicain. Ah, je peux pas me baisser? Ok.
Putain, le champignon à la coupe afro, là. C'est marrant. Comment je sors les... Je les sors de terre comme ça. Tout le monde est entré dans la pyramide. J'y arrive pas. Il fait bien trop chaud à l'intérieur. Bon, ça va, c'est du one-shotage, tout le monde. Pourquoi je peux pas te parler, toi? La pyramide est soudainement apparue ici la semaine dernière. Elle prend beaucoup de place sur la plage. Ok, on va y aller voir. Oula, 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 oula! Ok, je m'attendais pas à ça non plus. Carotte talibanaise. Oh merde. Et du coup on fait comment? C'est sûrement un pouvoir de rétrécissement. À pécho. Waouh, comment vous êtes entrés? Ne leur dis pas que je fais la fainéante ici. Et là je peux sauter, non? La carotte, de quoi la carotte? Merde, non, mais non. La carotte, elle peut y aller? Ah, fuck la banane! Merci, beignet. Je pensais que j'allais avoir un pouvoir de rapetissement ou un truc comme ça. Attends Irina, c'est pas le chemin qui mène au village Rabi Rabi. Oh c'est vrai, j'étais distraite et j'ai continué mon chemin. Ah. Ah putain, je peux pas aller dans la pyramide alors du coup? Attends, y'a de gauche, y'a quoi? Oh y'a un nuf. Bon bah on va continuer à Rabi Rabi. Oh yo. Enfin, j'ai pas l'esprit mal tourné, mais ils sont bizarres ces ennemis. Oh merde, je t'ai pas vu. Carotte afghane. Comment on la sort la carotte afghane déjà? Ah, elle est là. Mais c'est quoi ce monde? Ça vous dirait de contribuer un peu? Nous sommes assez pauvres. Mais ils sont tous pauvres dans ce... Ne faites pas que chercher des lapins. Il y a une île flottante au-dessus de la plage. Un autre trait particulier de Rabi Rabi. J'ai entendu dire qu'il y avait un volcan près d'ici. Il pourrait rentrer en éruption un jour. Salut William! Tu peux avoir l'esprit mal tourné, je l'ai eu aussi. Ah, ça me rassure. Je crois pas qu'elle diminue l'espérance de vie. Je n'ai pas dormi depuis une année grâce à cette pierre et je vais très bien. J'ai entendu dire qu'un lapin se promenait par ici. L'avez-vous trouvé? Ouais. Oh merde! Bon, ça va, pour l'instant les ennemis sont cool. Hein. Wouah, Shuri! Elle est là! Ribon savait que ça allait arriver. Zut, tu l'as évité. Alors tu savais déjà ce que je préparais. Un lapin humanoïde et de la magie inconnue. Tu vas me laisser t'étudier, hein? Juste un peu. Je suis persuadé que Rumi ne m'en voudra pas. Ça suffit, Ashuri. On n'a pas le temps pour ça. Tu feras tes recherches plus tard. Non, jamais, Irina. Ne veux pas se faire étudier.
Pour l'avancement de la magie, je suis prête à tout. N'aie pas peur. Veux-tu que je te fasse changer d'avis grâce à ma magie? Attendez, je croyais que vous étiez la grande sœur sur laquelle on pouvait compter. C'est pas toi qui dis toujours à Ribon de ne pas jouer avec la magie? Boss? Boss. Bouf! Wouhou! Raté! Tiens. Putain, mais il fait mal! Bouffe mon tabouret mexicain! Ah merde, je croyais qu'elle était morte. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y avait? Bonjour! Ah mais c'est... Ça va. En fait, je peux taper Y et B en même temps. Pourquoi es-tu aussi réticente à l'idée de te faire étudier? À deux contre une, ce n'est pas très loyal. Je continuerai mes recherches une autre fois. A plus tard. Attendez, je veux pas qu'on m'étudie. Ribon est un peu jalouse qu'Irina soit aussi populaire. Moi, je veux pas être populaire, tout ce que je veux c'est ma maîtresse. D'accord, ne t'en fais pas pour ça. Souviens-toi qu'il y a des gens qui nous poursuivent, alors on devrait dégager d'ici. Oh! Un sceptre en haut. Ah, peut-être par là. Wouhou! Ah merde, t'es une méchante aussi. C'est quoi? Rayon solaire, agite tout de suite! Maniez le laser de Ribon. Appuyez sur LB et RB pour changer le type de magie de Ribon. Chaque type modifie le style des attaques de Ribon. Ah oui! C'est une lampe torche? Ah ok. Ça se charge? Oh, pas mal! Ouais, à part le non chargé ne sert à rien, c'est vraiment le chargé qui sert. Les rochers n'ont pas l'air très stables ici, il y a probablement quelque chose en dessous. Ah, qu'est-ce que c'est? Attaque plus, attaque augmentée. Cool. Je dirais que je chatouille le gland, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est surpuissant. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Je trouve que vous êtes beaucoup quand même. J'ai hâte de retourner à la maison. J'ai fait la même chose tous les jours. Ce chemin mène directement au ravin Rabiribi. La porte est un peu trop à pic, les gens préfèrent utiliser la pierre de téléportation pour s'y rendre. C'est l'endroit le plus populaire, mais il y a deux fois moins de gens que la dernière fois. Vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde, puisque pourquoi sentez-vous besoin de le faire? Ok, elle est pas mal. Alors, vous n'êtes pas avec elle? Débarrassez-vous-en de ces choses que vous avez sur la tête et qui portent à confusion. Ne me parlez pas, je suis en pause. Contrairement à vous, j'ai un vrai travail, moi. C'est quoi, c'est tenir le parasol? Alors, vous partez déjà? J'espère que vous reviendrez bientôt pour vous détendre un peu au lieu de chasser ces lapins. Non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ça, le turbo! D'accord, j'ai appuyé sur B sans faire exprès. C'est ça le petit ravin? Il n'a pas l'air si petit que ça. Ribon n'aime pas du tout cet endroit. Ça n'a pas l'air très naturel. Ça manque de verre par ici.
Hey, Ribon, regarde, je crois que j'ai déjà vu ces personnes auparavant. Oh, elle est cool elle aussi. Merci beaucoup, je crois que c'est assez pour aujourd'hui, je me sens déjà différente. Je vois pas vraiment comment tu pourrais te sentir différente, mais si tu crois que ça fonctionne, alors c'est génial. Putain, mais c'est ce monde, s'il y a un mec dans ce monde, c'est le roi du pétrole. On arrête pour aujourd'hui alors. Je dois retourner à la plage pour m'occuper de la cérémonie. D'accord, au revoir, alors on se reverra plus tard. Hé hey Rita, attends. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Rita, je... En fait, je... Désolé, c'est pas si important que ça. Putain, mais... Oh, oui, d'accord, c'est un peuple de lesbiennes, en fait. C'est une planète de lesbiennes qu'on est. Je dois faire mieux la prochaine fois. Waouh, elle fait peur. Ne restez pas planté derrière les gens comme ça, non mais... Je me souviens de cette personne, cette fille aux cheveux bleus. Ils sont verts. C'est une amie de maîtresse. Ta mémoire est plutôt bonne, Irina. Ribon a toujours pensé que les animaux n'avaient pas de mémoire à long terme ou de permanence des objets. Bien sûr que non, je me rappelle de beaucoup de choses en dehors des noms. Eh, hey, je vous parle, allô, vous m'entendez? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant ou quoi? Ils peuvent vraiment pas me voir? Rien n'a changé, je suis encore aussi invisible que l'air. Attends, as-tu entendu parler quelqu'un? Non. Entends-tu des voix? Oublie ça. La sortie devait être par là. On serait bientôt au village, Rabi Rabi. Putain, mais c'est... Ah! Salut, Saria. Mais ça a l'air grand à explorer en plus. Ah, je peux pas ici. Oula. Ça se carotte ça? Ah oui, ça se carotte ça. Aïe! Régène plus taux de régénération des MP augmenté, ok. Oh, je t'ai jamais battu, toi. Viens, je veux te tuer. Ok, je pensais qu'il allait donner un truc spécial, mais non. Aïe. Ouais, c'est calculé pour quoi. Oh là, ils font 7 de dégâts, ils font beaucoup plus de dégâts en fait. Putain, c'est calculé pour la vache. C'est joli ici. Ah, je crois que je suis arrivé au village à mon avis. Et génial cette musique. Bienvenue au village Rabi Rabi. Êtes-vous là comme des touristes? C'est un peu l'idée. Regarde, on est enfin arrivé au village Rabi Rabi. Formidable Ribon. Ribon pensait que ça allait prendre plus de temps. Mais je suis un peu anxieuse à l'idée de rencontrer maîtresse dans cet état. Je suis si près d'elle pourtant. De quoi tu parles, Irina? Ribon croyait que tu voulais retrouver ta maîtresse. Allez, on y est presque. D'accord. Les pierres de téléportation sont tellement utilisées que peu de gens empruntent ce pont qu'ils gâchent. Allez faire un tour au magasin de Myriam au village Rabi Rabi, vous y trouverez des articles qui ne sont pas disponibles nulle part ailleurs. Ce n'est pas la publicité, c'est une recommandation personnelle. Putain, c'est chouette. Et demain... N'empêche, là on joue à Rabi Rabi, mais demain il y a Wonder Boy. Faut absolument que j'y joue, mais est-ce que j'aurai le courage et l'énergie? Très jolie la musique.
J'aime bien l'ambiance, la qualité, la charte graphique et tout, c'est vraiment très agréable. Ouah, c'est vraiment grand. Trouver ta maîtresse dans un endroit aussi grand, ça serait sûrement difficile. Oh allez, tu t'en fais trop. Ribon croyait que tu voulais trouver ta maîtresse à tout prix. On peut rentrer dedans, non? Non. Bonjour? Bonjour? Non? Non? Non, t'as pas envie? Bon. Moïse, t'as oublié ton caillou. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je peux pas leur parler en ville? Après, ouais, il est tôt encore. Ouais, mais un truc tout léger, s'il reste une chipo ou deux, une merguez ou deux. Ouais, ça marche. Ça marche. Si tu peux juste me jeter une bouteille d'eau. Me jeter une bouteille d'eau. Ah bah, il y en a là, laisse tomber. Dis, Ribon. Oui. Je vois maîtresse, elle est juste là. Déjà, Ribon croyait que ce serait plus long. C'est pas la taille qui compte. Mais j'y pense, maîtresse ne me reconnaîtra pas dans cet état. Je ne peux pas simplement l'approcher comme ça. Maintenant que tu le dis, ce serait plutôt étrange. Elle pourrait même te confondre avec l'une de ses cinglées. Oh, Ribon sait quoi faire. Accroupis-toi et bondis jusqu'à là-bas comme un lapin. Elle saura immédiatement que c'est toi. C'est pas un peu bizarre? J'aurais vraiment l'air étrange. Mais en y repensant, si j'agissais comme un lapin, peut-être que... Ribon ne faisait que plaisanter, ne te tracasse pas avec des petits détails inutiles. Laisse Ribon rencontrer ta maîtresse. Attends, je suis pas encore prête. C'est qui ma maîtresse alors du coup? C'est elle ma maîtresse? Rumi, tu as des... Ah, elle a pas d'yeux! Rumi, tu as déjà une piste? Non, ne perds pas espoir. Ah, c'est bon, les yeux sont revenus. Bonjour! Coterie. Enchanté de faire ta connaissance, tu es pleine de... rebondissements. Je ne sais toujours pas pourquoi elle ne veut pas accepter ma magie, mais je ne continuerai d'essayer. Je ne suis pas démoralisé. Ah, c'est toi alors, la maîtresse? Toi aussi, t'es cool, hein, tu peux poser ton petit verre de bière sur la poitrine, ça tient, quoi. Désolé de vous avoir inquiété, je ne faisais que réfléchir un peu. Je me suis décidé à passer à l'action. Reste ici et ne rien faire ne résoudra rien. Rumi, je suis persuadé que tu réussiras. Je viens de me souvenir que j'avais quelque chose à faire, je dois partir. À bientôt. Je me demande si Irisu va bien. Étrange façon de dire au revoir. Rumi, Irisu agit de façon étrange aujourd'hui. Je suis un peu inquiète. Oh allez, pourquoi tout le monde semble si triste? Ça ne ressemble pas du tout au village Rabi Rabi que je connais. Peut-être devrions-nous davantage nous préoccuper d'Irisu. Elle m'inquiète un peu, on dirait Lana de Lovina. Peut-être que quelqu'un lui a fait des ennuis. Je sais pas plus que toi, mais il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec elle. Nous devrions la rattraper avant qu'on ne la perde de vue. Attends, je vais m'occuper d'elle. Tu devrais préparer pour la prochaine étape. N'oublie pas que même si je suis contente de te voir tous les jours, c'est de te voir débordante de joie qui me rend vraiment heureuse. D'accord, je me souviendrai. Merci, Coterie. Non mais vraiment, qu'est-ce qui me prend? Je dois pas me laisser les gens s'inquiéter comme ça à propos de moi. Il y a plus important. Allez, ressaisis-toi, Rumi, direction la stèle de la pierre. C'est moi, c'est ton lapin! Ou ta lapine? Si proche, maîtresse est juste là, elle a l'air un peu différente, plus petite. N'y pense pas trop. Tu as une taille humaine maintenant, c'est pour ça qu'elle te paraît plus petite. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Tu as déjà croisé plusieurs autres personnes en chemin. Je suis excitée et nerveuse. Je crois que j'ai besoin de plus de temps. Et si maîtresse n'aimait pas mon apparence, que dois-je faire? Alors c'est ça qui te préoccupe, si ta maîtresse t'aimait vraiment, ça ne la gênerait pas du tout. D'ailleurs, elle nous a... T'es hyper bien roulé, va pas chipoter sur les apparences. Enfin, tu manques un peu de bouée. Un lapin et une fée? Regarde, ta maîtresse t'a tout de suite remarqué, c'est la grand-maman. Maîtresse. Irina? Hein? Elle m'a reconnue. Voilà, pareil. Quoi? Cette sensation, il s'agit de bien et bien de toi. Si, tu savais. Où étais-tu partie? J'étais tellement inquiète. Maîtresse, je peux plus respirer. Ça s'appelle jouer au flipper. Je vous conseille, j'adore jouer au flipper. C'est génial.
Désolée, je suis trop contente. Tu me parais un peu différente et Rina a beaucoup grandi. C'est super. Maîtresse a reconnu Rina. Évidemment, je serais une bien mauvaise maîtresse si c'était pas le cas. Irina n'est plus vraiment un lapin maintenant. Désolé, j'avais peur que maîtresse ne m'aime plus. Bien sûr que non, Irina est vraiment mignonne comme ça. Mignonne? Irina, tu te préoccupais toujours de ton apparence. En tant que lapin, elle fait quoi pour se récupérer de son apparence? C'est à peu près tout, quoi. Je sais pas, Irina ne sait vraiment pas ce qui est mignon pour un humain. Vous m'écrasez toujours, maîtresse. Tu peux y aller jusqu'à la fin de la journée, y a pas de souci. C'est vraiment incroyable, d'habitude, je suis dans les mains de maîtresse. T'es pas vraiment dans les mains de maîtresse, mais je n'ai jamais vécu ça avant. Waouh. Oui, elle se lèche les poils. J'ai jamais vu un lapin se lécher les poils, il est juste là devant et fait. C'est tout ce que fait un lapin, il fait rien d'autre. T'as déjà vu un lapin faire autre chose? Du coup, oui, maintenant, elle pourrait se lécher les poils. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la stèle téléporteuse téléporter Mirou au loin avec toi dans ses bras. Alors, Irina a vraiment vu Mirou là-bas? Il y a quelque chose d'anormal. Physiquement, elle ressemblait vraiment à Mirou. On aurait dit quelqu'un d'autre. Mirou n'est pas du tout... Mais pourquoi Mirou... Ah putain, mais Mirou parle à Rumi. Oh, aïe, aïe, aïe. Pourrait pas s'appeler Gisèle, Morteviel et Cunégonde pour les différencier, ils ont tous le même prénom. Tu as raison. Comme mes études sur la stèle avancent bien, avant, sans, bien, on pourrait certainement essayer. Il faudrait rassembler des gens qui s'y connaissent en magie. Ribon, es-tu sûr de vouloir nous aider? C'est beaucoup de te demander. Ça va, Ribon est une fée qui adore aider les gens. Ce n'est pas que je te soupçonne de quoi que ce soit, mais j'ai cet étrange pressentiment que tu es une traîtresse. Maîtresse, vous ne devez pas lire les pensées des autres comme ça, c'est affreux. Lire les pensées? Oui, maîtresse, c'est doué pour la télépathie, mais complètement nul pour ce qui est de la magie. Je n'aurais jamais pensé me faire gronder par Irina à propos de ma télépathie. Je ne lis les pensées que lorsque c'est vraiment nécessaire. Seulement, j'ai cette curieuse impression. Désolé, on dirait que Ribon doit être honnête. C'est vrai, Ribon est venu jusqu'ici pour une raison. Ribon. Par contre, le dialogue très itchy de manga qui se répète et qui avance pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les mangas. Ma femme continue à regarder les mangas. C'est à cause des dialogues qui sont trop, un peu trop niais dans le... Non, ça avance pas. Attends, alors tu fais confiance à Ribon? Tu vas bien, détends-toi. Je crois que je te dois des excuses pour avoir douté de toi. Non, en fait, c'est Ribon qui devrait s'excuser car elle vous cachait quelque chose. Ok, c'est bon. Elle devait y aller maintenant. Les amis de Ribon et Mirou nous attendent. Irina. Ok, allons-y. Le journal. Dans le menu principal Start, il y a une liste de choses à faire. Ah putain, il y a des quêtes annexes? Ah putain, mais il y a un menu? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, c'est des combos. D'accord. Map. Ok, il y a 10 maps. Item. J'ai des marottes, des carreaux et des... Putain, mais il y a tout ça comme item différent. Badge, il y a des badges. Okay. Ville, town. Villageois 0 sur 24. Merde, et diary. Trouver des assistants à faire. Trouver des assistants au parc Rabi Rabi. Trouver des assistants en terre enneigée azur. Buff et des buffs. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vitesse augmentée de 25%. Ouais, les trucs. À l'ouest, il y a le parc et un peu plus loin, c'est la toundra. Regarde sur la carte si tu n'es pas certaine. Est-ce que tu te rappelles de Myriam du magasin d'items? Tu devrais aller la voir avant de partir. Elle a sûrement des articles qui t'aideront pour ton voyage. Il y a un magasin aussi? Ouais, enfin.
J'essaie de m'en rappeler, mais c'est pas encore très clair. Tu peux me remettre entre tes nichons, la mémoire me reviendra beaucoup plus vite. Je suis certain que ça te reviendra une fois que tu seras à l'intérieur. Aussi, ça me reviendra aussi vite. Y a pas de souci. À l'intérieur du magasin, merde. Elle le sait déjà comment ? Souviens-toi, télépathie, c'est une aptitude très pratique. Oh, je vois. On devrait vraiment y aller, maîtresse. Oui, le moment est venu. Ah, j'allais oublier. Prends ça, ça pourrait être utile. Un beignet de rumi. Un gâteau de rumi. Temps d'utilisation. Appuyez sur Back, ouvrira l'inventaire et les consommables d'Erina. Ok. Ok, putain la vache, il y en a des trucs. Et là, je peux parler à tout le monde, je parie, non ? Hey, ta maîtresse a dit qu'il fallait aller vers l'ouest, Irina, ce qui veut dire qu'il faut aller de l'autre côté. Par contre, si Irina veut retourner au ravin, ça me dérange pas, Ribon non plus. Oh, bon, on va aller de l'autre côté. Ok, téléporteur, on se téléportationne pas. Ok, je peux pas leur parler, ok. Ah, une boulangerie. Irina, c'est écrit bienvenue au-dessus de la porte. Tu crois que c'est le magasin? Je sais pas pourquoi ça fait autant fantasmer les Japonais et les fans de manga que les héroïnes ou que les héroïnes soient aussi niais. C'est excitant de la nana? Oh mon dieu! Oh mon petit coun! C'est excitant? Je veux bien qu'elle soit pure et innocente. Il faut non plus qu'elle soit... Enfin, faut qu'elle ait un cerveau en même temps. Boulangère. J'adore pétrir la pâte. Je suis très grand spécialiste de pétrissage de pâte, madame Myriam. Alors c'est toi, Irina. Tu es aussi mignonne que ce que j'imagine. Bonjour, Myriam. Vous êtes exactement comme dans mes souvenirs. Oh, mes souvenirs sont vraiment en train de revenir. Magnifique. C'est bon de te savoir de retour saine et sauve. Nous étions très inquiets à ton sujet. Tu me sembles un peu différente, mais ce n'est pas ce qui compte. C'est bien de pouvoir te parler à nouveau, Irina. Et tu dois être Ribon. Rumi m'a parlé de toi. Quelle jolie petite fée. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire que vous quittiez le village à la recherche d'assistante. Je vous aiderai bien, mais je n'y connais rien en magie. Tu peux trouver beaucoup d'articles ici. Et je peux même te les donner gratuitement. Je suis certain que ton voyage sera plus sûr si tu les prends avec toi. Gratuitement, c'est trop gentil de votre part. Ben voilà! Voilà, un jeu où t'es l'héroïne et tu vas sauver le monde, mais on te file les objets gratos. Logique. C'est pas FF15 où la planète elle est morte depuis 40 ans, tu dois aller taper le dernier monde pour rattraper, pour remettre la paix et la lumière sur la planète, mais on te fait quand même payer la nuit et ton épée. Viens jeter un coup d'œil dans ce cas, puis-je au moins t'offrir un rabais? Ah non, finalement il faut que je paye. Mais c'est gratuit, prends le gratuit! Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, EN, c'est l'énergie. HP augmenté, HP max augmenté de 20%. 1% des HP supplémentaires pour chaque personnage débloqué, saveur de fraise. 4000 points. Mana, attaque plus, pack plus, c'est gozo. Chaque personnage rencontré dans la ville ajoute 1 PP, PP max augmenté de 3 points. Cœur d'âme. Permet à Irina de voir les HP de ses ennemis. Fini les combos gaspillés. Fini les combos gaspillés. Bah, je les voyais, les HP des ennemis. Oh là là! Tout ce qu'il y a! Un PP, PP max augmenté de 3 points, saveur citron. On va prendre ça. Et on va prendre la santé, ça a l'air bon pour l'instant. Attaque plus. Ah bah j'ai plus d'argent. Mana plus. Un cœur d'âme. Hey, smile. Attends, tiens, c'est pour toi, prends-le, pas question de refuser. Une poussée de vitesse.
c'est trop joli. C'est un objet magique qui t'aidera à courir plus vite. Ah, cool. Et comment je cours plus vite? Ok. Vers l'aventure et au-delà! Ah oui, non, je les vois pas, ces ennemis. Je les vois pas, les vies des ennemis. Ah, mais si, je les vois en bas. Ah, peut-être que je les verrai en chi. Oh putain, la musique, elles sont géniales! Elles sont géniales, les musiques! Je m'attendais exactement qu'il y a un autre instrument qui s'ajoute, et là, c'est un autre instrument. Sans avoir écouté la musique est tellement parfaite, est tellement bien, elle est tellement mathématique et esthétique et ergonomique que je sais d'avance quel sera le prochain enchaînement lyrique. Ça, c'est de la tuerie quand même. Magistral. Oh, la musique! En tout cas, si j'avais une boulangère comme ça, je me nourrirais exclusivement de baguettes. Bah non, si j'avais une boulangère comme ça, je lui montrerais ma baguette pour qu'elle la pétrisse. Ça marche dans ce sens. Hey Risu! Attends, pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Je parie qu'elle retourne à la bibliothèque. Une minute, ça va, et la suivante, elle déguerpit comme si elle avait vu un monstre. Ribon, regarde, c'est Mlle Renard. Tiens, tiens, ne serait-ce pas le duo humain-fée aperçu au village? Bizarre, je croyais que tous les fans de lapins étaient bannis du village Rabirabi. C'est un malentendu. Irina n'est pas l'une d'entre elles. Vraiment? Alors ces oreilles de lapin sur ta tête? Attends, Irisu s'est enfuie lorsqu'elle t'a vu. Maintenant que j'y pense, c'est toi, hein? Est-ce que tu as déjà vu cette personne auparavant, Irina? Ribon a seulement remarqué que sa maîtresse. Je ne pense pas. Mais je crois qu'Irisu était la fille qui s'est occupée de moi plus tôt. Hé, je t'ai posé une question. Qui es-tu? As-tu fait quelque chose qui a effrayé Irisu? Elle n'avait pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Irisu est peut-être très timide, mais ce n'est pas une raison pour l'intimider. Oh, c'est beau, c'est joli. Allez, gonzesse, il manquerait plus qu'elle tente de faire un créneau. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es cru dans Megaman? Tiens, bouffe ça. Ah mais ça me tape pas! Je pensais que ça me tapait mais ça me tape pas. Je pensais que son bouclier de pique il me bouclier de piqué! Aïe! Aïe 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 aïe! Oh, tu vas mourir, ouais! Oh merde, Fury! Aïe! Folle! Quitte la forêt était la bonne décision! Non, quitter la forêt était la bonne décision! Pas de haute fée ennuyeuse pour empêcher Ribon d'utiliser autant la magie qu'elle veut! T'as la musique! Mais il me faut l'OST de ce jeu, bordel! Et il met une bitch slap à Mass Effect Andromeda, quoi, la musique. T'es con, j'ai réussi à faire un nœud sans jouer. Roulia m'a dit que t'as lancé le jeu en novice, même pas en normal. Petite zézette. Non, il y avait écrit novice et après il y avait écrit very hard en fait. Donc j'ai pris novice parce que je savais pas à quoi ça ressemblait.
Il pleut des lapins. Ou des doubles gods, ça dépend de la position où on se voit là. Regarde tous ces lapins dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Plein de lapins. Est-ce encore un tour de ces fans de lapins? Peut-être est-ce une tradition de l'île? C'est vraiment joli. Ribon ne sait pas trop quoi penser, c'est la première fois qu'elle voit ce phénomène. Quand on les regarde de plus près, ces lapins sont assez mignons en fait. Sans blague, les lapins sont les créatures les plus mignonnes qui soient. Mais de quoi tu parles, Irina? Et pourquoi trouves-tu soudainement que est tout mignon? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais que tu en avais parlé la première. Pas du tout. Ribon n'aime pas les lapins. Bon, alors tu n'aimes pas les lapins, hein? Bon, d'accord. Ribon n'aime pas les lapins. Sauf Irina. Satisfaite? Bien sûr. Ribon devrait essayer d'aimer les lapins. Le problème, ce n'est pas de les aimer, c'est d'en trouver. Non mais, qu'est-ce qui va pas dans le ciel? Lapin. Lapin. Oh merde. Il y a un Kirby au sol. Ah putain, mais je les vois pas, quoi. Oh, c'est quoi ça? Ah, un double jump. Ah non, défense plus. Merde. Équipé? Ah, c'est ça, c'est des badges qu'on équipe. Putain, mais il a l'air complet, le jeu. Pourquoi j'en ai 3? Dégâts reçus diminués de 1 à 2. Carottes de guérison lancées. 6. 6. Flèche à droite. 10 badges sont équipées. Dégâts reçus dimanche. Non. Dégâts reçus. Diminué de 1 à 2. Carottes de guérison lancées. 6. Supérieur à 10 badges sont équipés. Ah, et ça coûte 3 points pour l'équiper. D'où d'avoir des PP supérieurs, comme ça on pourra équiper plus de badges. Ok. Il manque les petites danses de Shantae. Ah ouais, Shantae, c'est clair que c'est... Hey, salut, félicitations, vous êtes rendu ici jusqu'ici. Qu'avez-vous pensé du niveau de difficulté? Si ça vous a paru difficile, je peux vous aider. Ne vous inquiétez pas. Je suis une personne de confiance. Souhaitez-vous baisser le niveau de difficulté? Non, ça ira. Augmenter le niveau de difficulté? Ouais, allez, on va l'augmenter. C'est fait, amusez-vous et détendez-vous. Souvenez-vous que c'est irréversible. Ah, merde. Pensez à prendre un autre emplacement de sauvegarde. Ok. Pensez à prendre un autre emplacement de sauvegarde. Super, j'ai trop y pensé, ça va être magnifique. Pourquoi ils ont fait en sorte que c'est irréversible? C'est débile. Et là, je vais me faire trucider, je vais être dans le caca. Ah. Il y a une pilule en bas. Ah non, une paire de chaussures. C'est les souliers magiques, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Pas trop sûr, peut-être que ça permettra de courir plus vite, faire des coups de pied spéciaux, sauter plus haut ou même marcher dans les airs. Ribon ne faisait que des suppositions. Ribon ne sait pas ce qu'il peut faire. Si ce n'est une personne magique, est-ce qu'on peut faire demi-tour? Sauter plus haut? Ça pourrait régler notre problème si on pouvait sauter plus haut, tu crois pas? C'est certain, sauf que je blaguais à propos du saut. On dirait que la voie est bloquée, par ici, faudra entrer de l'autre côté. C'est une invitation? C'est pas grave, on doit chercher des gens de toute façon. On trouvera sûrement une autre personne en chemin. Ah ouais, déjà, il me faut 2 coups pour les shots. Oh putain, elles sont chiantes, les abeilles. Ça va, pour l'instant j'ai beaucoup de vie. On gagne plein de santé, je suis à 134 points de vie. Merde.
Ah merde. Ah, il y avait une plateforme ici, ok. Ah putain, je peux... Qu'est-ce que c'est? Putain, mais il y a plein d'endroits où aller, c'est un truc de... Dégagez les Kirby. Ouais, je peux voir le... Mes combos. Le level de mes combos. J'ai cru qu'on gagnait des levels aussi sur les combos, non? Map. Badge, town, diary, système. Ah, oh, c'est beaucoup mieux ça. Ah merde, je fais comment maintenant? Ah non! Ah si, je peux peut-être faire le tour par là du coup. Y'a rien là, je suis dans un cul-de-sac. Bah, y'a baigné. Faux! Ça en a seulement l'air. T'as vu, il y a un passage secret. T'as raison, y'a quelqu'un qui approche. Mais non. D'accord, quand je suis en SP vide, je peux plus attaquer quoi. Faut absolument que j'augmente mes SP du coup. Oui, je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça. Oh merde! Il y a aussi des fées méchantes? Aïe! Oh mais c'est chaud! Et toutes les musiques sont soignées, hein. C'est un truc de gueudin. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! 11, elle m'a fait! Attends, je vais essayer le turbo là. Ah oui, mais l'attaque aussi, c'est un espèce de furie quoi. Elle est pas morte encore? Mais c'est où ces vies? Ah, c'est en haut. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, allez! Ça va, ils ont pas beaucoup de vie. Hein. Ok, la même. Mais non, j'étais trop loin. Oula, mi-vie. Ça va, ils me guérissent un peu. Vous êtes combien là dans le coin là? Ah merde, elle a plus d'MP.
C'est chaud là. Maintenant que tu es en difficulté normale, tu vas voir ce que j'endure. Attends, normal aussi. Aïe. Mana plus, ok. Tu vas mourir, oui. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Ah là c'est la concentration. Tiens, où est-ce que je peux voir sa révélation, relation niveau, niveau supérieur et tout? Où est-ce que je peux voir tous ces niveaux? Pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, carotte, délai d'explosion, plus quoi. Ok. Ouh. Ah, les chaussures. Pantoufle lapin. Hauteur maximum de saut augmenté. Cool. En forme de lapin? Est-ce qu'ils appartiennent à des fans de lapin? C'est assez dangereux par ici. Est-ce qu'on serait tombé par hasard sur leur base? Elles étaient si nombreuses. Il vaudrait mieux rester loin de cet endroit. C'est le temps de retourner à la caverne arc-en-ciel, on devrait éviter de faire attendre tes amis. En effet, si on pouvait trouver une pierre de téléportation, on pourrait l'utiliser pour se rendre là-bas en un instant. Ah putain! Saloperie! Et y'a quoi par là du coup? Ah bah, une pierre de téléportation. Donc il faut qu'on aille à la caverne. Allez. Attends, on les voit même pas quoi, t'es sérieux? Non, c'est bon. Alors du coup, maintenant, je vais pouvoir sauter, non? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais, s'enfuir sans nous accorder le moindre regard. Et qu'est-ce que c'est? Un tremplin? Mais qu'est-ce que ça fait ici? Justement, quand c'est plus nécessaire. Le hasard fait bien les choses, non? Allez, on trouve tes amis. Est-ce que je peux le pousser? Ah non, oui, bah je m'attendais pas du tout à ça. Mana plus. C'est ça que je voulais choper, moi. Oh, c'est cool ici. Oh, regarde, ils sont enchaînés, enfermés, embocalisés. T'as déjà joué à des shoot'em up parce que tu trouves que t'as des. Je trouve que t'as des. Oui, je joue à beaucoup, 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 beaucoup de shoot'em up. Hein. Beaucoup, beaucoup de shoot'em up. Que ce soit les Dodonpachi, les Deathsmile, le... plein, plein, Gradius, plein, 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 plein. J'aime beaucoup, beaucoup les shoot'em up. Qui est là? D'ailleurs, le roi, le Rolls Royce des shoot'em up, c'est Dodonpachi. Donc... Si, je pense que tu y as joué de toute façon, il est hyper connu. Je ne peux pas travailler convenablement. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Les spécimens ne sont pas censés se promener comme ça. Alors c'est elle, ça s'appelle Sissini. T'as oublié ton pantalon, Sissini? C'est fini toutes ces histoires, tu vas me rendre les faits tout de suite. Baston! Eh bah les SP faut qu'ils bougent un tout petit peu plus vite parce que là c'est pas terrible. Oh le safe spot. Ah non pas de safe spot là. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. Ah c'est salaud sur la fin de combo pour être. Oh là là. Tiens bouffe mon marteau mexicain. Bah oui bah forcément ils ont elle a une double téléportation. Transformation. Oh non le système a planté, c'est papa qui me l'avait donné comme cadeau d'anniversaire. Cadeau d'anniversaire? En quoi qu'est-ce que. En quoi est-ce que... En quoi est-ce que ce... En quoi est-ce que ce peut être un cadeau d'anniversaire? Je ne te le pardonnerai jamais, c'est pas fini. Et si c'est Nini? Il y en a encore, arrête ça. Wouh! Putain, il tire vite hein, quand même. Oh putain, j'ai usé que ça comme pays. Ah, je m'attendais pas à ça. Quand est-ce que je peux faire le méga turbo là? Qu'est-ce que... Bonjour. D'accord, je m'attendais pas à ça aussi. Oh putain. J'ai usé que ça comme vie. Putain, on voit du céleri maintenant. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi un... Elle m'a donné un gâteau, l'autre. Pour que je me... Je peux me soigner au moins une fois. Oh, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oui, mais... Waouh, oh, calme ta louage. Oh, cet esquivage. Tiens, bouffe ma carotte. Ah, mais comment j'esquive ça? Attends. Non, c'est pas ça. Ah oui, mais attends, mais... D'accord, c'est vrai que ça tire en arrière le rouge. Oh putain, mais t'as vu le truc? Oh, mais t'es sérieuse? T'as pas autre chose à faire? Ah non, tu te guéris! T'as pas le droit de te guérir! Non mais non, je saute dessus. Non, non, je vais pas mourir. J'ai trop mal joué la deuxième partie, putain. Aïe. Aïe. Oh, c'est chaud. D'accord, ok. J'y arrive, j'y arrive. Oh, mes vies. Non. Oh, oh, oh. Allez, saute. Descends. Non.
Oh non, pas ton céleri. Oui. Chaud, chaud, chaud. Comment est-ce que ça puisse produire? Je suis désolé. Arrêtez, je vous en prie. Je t'avais dit que c'était si. On aurait voulu que tu cesses nous aussi, mais tu souriais en nous attaquant, c'était vraiment effrayant. Mais papa m'a dit de ne pas me laisser intimider face aux brutes, sinon c'est moi la perdante. Mais vous avez tort. Nous ne voulons pas vous intimider, nous voulons simplement que vous libériez Lily et Pixie. Mais c'était toi la méchante. Pourquoi nous as-tu enfermés comme ça? Je sais même pas qui parle. J'étais juste un peu curieuse, je suis vraiment désolé. J'étais vraiment excité d'avoir trouvé des formes de vie inconnues, je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait subir. Putain, mais c'est une putain de guerrière quand même. Bon, bah elle est contente. Je savais que Ribi viendrait à notre secours. Merci, je te le revaudrai. Nous sommes amis, pas besoin de me remercier. Ah bon, j'en étais juste un peu curieuse. On aurait un peu de faveur à te demander, nous sommes à la recherche de gens qui pourraient nous aider. Est-ce que tu le peux, Sissini? Mais, c'est une information capitale! Si la stèle est aussi puissante que tu le dis, je vais y jeter un coup d'œil, mais juste parce que je suis curieuse. Mais tu veux pas mettre un pantalon? Vraiment? C'est pas de la magie qui expulsait cette chose? Ça, ce n'est pas de la magie, c'est juste un mécanisme de défense automatisé, contrôlé par un ordinateur. Je comprends rien à ce que tu dis, Sissini. Mais si Ribon dit vrai, tu pourrais quand même nous aider. Une seconde. Tu viens de dire que le système était magique? Est-ce que ce serait en fait le même mécanisme que celui de la stèle, mais avec un... Oubliez ça, montrez-moi cette stèle. Dis, notre nouvelle amie est un peu trop curieuse, non? Merci, Irina, pour ton aide. On part devant si ça te dérange pas. Hein? Vous partez déjà? Vous n'allez pas rester avec Ribon? Vous avez besoin d'aide, non? On veut vous aider, mais on n'est pas comme Ribi. Notre magie n'est pas très puissante. Les fées peuvent détecter les autres magies, alors on pourra trouver des informations pour vous. Merci pour votre aide. Mais est-ce que Ribon est d'accord avec tout ça? Nous nous sommes déjà entendus. Ça nous fera avancer plus rapidement. Rumi n'est pas certain du nombre de personnes qu'il nous faut. Alors plus on aura d'aide, mieux ce sera. Bien, on va maintenant y aller. À plus tard. Merci beaucoup pour votre aide. Ouah, GG! T'as vu, je me suis bien démerdé. Hein. C'était juste, hein. Je crois que j'étais à un coup près. Hein. Est-ce qu'elles savent comment sortir? Cette caverne est un vrai labyrinthe. Détends-toi, il y a une pierre de téléportation à l'extérieur, elles seront de retour dans la forêt en un instant. Une pierre de téléportation? Une technologie si avancée, ça devient intéressant. Tu veux pas mettre un pantalon? Tu n'as jamais utilisé la pierre de téléportation, Sissini? Ça veut dire qu'on ne pourra pas retourner dans la forêt. Ah, que dans la forêt. Ha! Alors on va devoir marcher jusqu'au village. Qu'il est très intéressé par la stèle, peut-être est-ce une fan de stèle? Une fan de stèle? Bizarre comme attirance. Il y a que Johnny Hallyday qui est fan des stèles. Dis, j'ai une question. Ribi, je sais que Rabi fait allusion au lapin, mais pourquoi Ribi? Elle n'arrêtait pas de t'appeler comme ça. C'est juste le surnom de Ribon. Tu dois pas appeler Ribon comme ça, d'accord? Ha! J'en ai pas l'intention. Ribon sonne beaucoup mieux. Ah bon? Ah, je peux lui parler à lui? Ah oui, Makazan Myriam et blablabla et blablabla. Ah putain, je peux le tirer en diagonale! Ok. Oh, il y a un UF! D'accord. Super. Une belle trotte. Machine? Non, que dalle. Pas de zove, on s'en fout.
Sauvegarde, ouais. Myriam, il y a des gens qui ont été méchants dehors. Vends-moi des trucs. Des sulfateuses, des machines gunneuses, ce que tu veux. Mais je l'ai, le cœur d'âme. Pourquoi ça me donne pas le truc? Faut peut-être équiper. Permet à Ribbon d'utiliser les attaques vertes. Permet à Ribbon de générer des BP avec le temps. Ah la vache. On va prendre de la santé. Hein. Ah cool. Ah c'est le céleri. C'est le céleri. Et du coup ça attaque comment le céleri hein? Allez, tout sauf devant, quoi. Magnifique. Utilité, je ne sais point.